Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça veut dire que le réveil a commencé. Amen. Et ne perdez pas l'occasion de votre délivrance pendant que l'onction est là. Amen. Maintenant, j'aimerais simplement... le passage que j'ai lu tout à l'heure était fantastique. Écoutez ce qu'il dit. Je. Amen. Pouvons-nous commencer, ça commence même plus loin en réalité. Je peux même commencer au verset 22. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la parole sacrée de Dieu. Amen. C'est un seul sermon que je subdivise en petits morceaux pour que on puisse retenir. Amen. Amen. Parce que dimanche après-midi, on a parlé, n'est-ce pas, de la septuple action qui amène à la délivrance. Maintenant, on va parler de la parole sacrée elle-même, parce que après, on va parler comment l'attitude mentale correcte, comment avoir l'attitude mentale correcte, parce que les gens entendent ça comme une citation, mais ils ne savent pas comment l'avoir. Et pourquoi est-ce qu'ils disent des choses, ils prient, ils n'ont pas. Tout cela, c'est dans le cadre de ce programme. Amen. Et après, alors, dimanche, Dieu voulant, ou alors maintenant, lancer le filet. Donc, personne n'hésite, ne perde sa bénédiction pendant ce moment-ci où l'onction est là, où l'onction est aussi sur moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais voilà ce qu'il dit dans Jérémie 30, Ézéchiel 30. Ce n'est même pas le texte fondamental que j'ai préparé. Mais c'est tout à l'heure, au haut de la chaise, que j'ai vu que, hé, faut lire ça. Parce que moi, j'avais prévu de lire dans Jérémie, mais Dieu m'amène dans Ézéchiel. Allons-y. C'est pourquoi j'ai dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. Qui ne dit pas amen là? Ce n'est pas à cause de vous que j'agis comme je vais agir là maintenant. Mais c'est à cause de mon saint nom. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. C'est pas ça? Apocalypse 20. Son nom s'appelle la parole de Dieu. C'est à cause de lui-même. Donc tout ce qu'il va faire là, c'est pas à cause de votre mérite. Mais c'est à cause de lui-même. À cause, parce qu'il est éternel. Il est Elohim. Il ne peut pas être diminué ni augmenté. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. C'est nous qui allons sanctifier le nom de Dieu. Amen. Les œuvres que Dieu va faire par nous, le monde saura que Dieu est vraiment Dieu. Que Dieu existe encore sur la terre et qu'il règne. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, moi, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Notre cadence, c'est quoi? La parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, comme on lisait, et vous serez purifiés. Ce n'est pas par vos jeûnes, pas par vos prières, par vos efforts mentaux. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Vous ne pouvez pas délivrer votre frère, votre femme, votre enfant, votre mari. Dieu dit, c'est par ma parole. C'est elle qui est la puissance transformatrice. Mais elle n'est pas seulement la puissance transformatrice, comme on va le voir tout à l'heure à la suite. Elle est la puissance, elle est la puissance créatrice. Ah, tu es déjà réveillé toi. Amen. Voilà. Et vous serez purifiés.
Donc, mes chers frères et sœurs, toi que tu n'arrives pas à arrêter la cigarette, tu n'arrives pas à arrêter le vol, tu n'arrives pas à arrêter le cancan, les commérages, écoute seulement la voix de Dieu. Écoute seulement la voix de Dieu. Écoute seulement la voix de Dieu. Et ces choses vont commencer à fuir, comme les petits démons qui fuient, n'est-ce pas? Comme les souris qui s'enfuient quand le propriétaire ouvre la maison. Toutes les souris s'enfuient. Écoute seulement la voix de Dieu. Elle va purifier ton cœur. Elle va purifier ton âme. Elle va purifier ton esprit. Et même ton propre corps. Amen. Oui, même votre jeunesse, vous allez la retrouver. C'est écrit dans la Bible, c'est pas le frère Baouya qui le dit. Que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est une parole et c'est Dieu. Vous êtes avec moi? Ok. Je reprendrai donc sur vous une eau pure, une parole sans mélange. Sans mélange. Amen. Quand il dit, je vais me présenter à moi-même. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il ne demandait pas votre contribution. Il ne demandait pas vos efforts pour cela. Il dit que celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui-même qui le fera. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter la voix de Dieu. Le reste, ça regarde la parole. Ça regarde Dieu. Amen. Parce que l'action de Dieu suit sa parole. Il se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Écoute seulement la parole. Mange la parole. Bois la parole. Le jour, la nuit, le matin, le soir. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne sera pas guéri de pain seulement. L'homme ne sera pas prospère par le travail seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes paroles. Parce qu'il y a une parole pour être guéri, une parole pour être prospère, une parole pour avoir un enfant, une parole pour avoir une femme, une parole pour avoir une maison, une parole pour avoir un diplôme. Toutes paroles. Dieu a mis ses paroles, ses masses, pour tous les besoins de la race humaine, pour tous les besoins, toutes paroles. Tu veux quoi? Il y a une parole pour ça. Tu veux ceci? Il y a une parole pour ça. Tu veux cela? Il y a une parole pour cela. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laissez vos jérémiades. Laissez vos pleurs. Laissez vos incrédulités. Écoutez la voix de Dieu. Elle va vous transformer. Elle va transformer vos maisons. Elle va transformer vos vies. Elle va transformer vos foyers. Elle va transformer vos labeurs. Elle va tout transformer. Elle va transformer l'église. Parce qu'il a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Moi-même, je vous enverrai une eau pure. Amen. Je, pas vous-même, je vous purifierai de toutes vos souillures. Alléluia. Et je vous purifierai de toutes vos souillures. Si le démon du cancer ne peut pas résister devant la parole, le démon d'adultère non plus ne peut pas résister devant la parole. Les démons physiques comme les démons spirituels, Dieu a envoyé la parole pure. Elle a prêché démonologie, domaine physique, démonologie, domaine spirituel et les esprits séducteurs et tout cela pour vous purifier à tous les niveaux. À tous les niveaux, à tous les niveaux, écoutez la voix de Dieu et vous serez transformés. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore, mes bien-aimés frères? Et vous serez de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est quoi les idoles? C'est les choses qu'on met à la place de Dieu. Oh mon travail, oh mon mariage, oh mon ceci, oh mes études, oh mon diplôme. Quand la parole vient, tu vas dire comme de l'apôtre Paul. Et je vois ces choses comme de la boue. Et je vois ces choses
comme de l'amour, comme Saint-Paul, et je vois ces choses comme de l'amour, et je vois ces choses comme de l'amour. Alléluia. Alors je vous donnerai, c'est Dieu qui a dit ça, hein? Je vous donnerai. N'oubliez pas ce qu'il a dit au début. L'homme est l'agent de Dieu. Et quand Dieu veut faire une chose, il suscite un homme. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur qui refuse de pardonner. Le cœur qui refuse d'aimer. Le cœur qui refuse de s'humilier. J'ôterai ce genre de cœur de pierre de vous. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur tendre. Comme le filet de bœuf. Un cœur tendre. Oh là 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 là. Comme le veau que Dieu avait mangé avec Abraham. Vous donnez un cœur tendre, un cœur de chair. Amen. Un cœur qui pardonne instinctivement, qui embrasse son ennemi, qui est gentil, oh, qui donne à manger à ses ennemis, qui donne à boire à ses adversaires et qui prie même pour ses transgresseurs. Voilà ce genre de cœur. Quand vous aurez ce genre de cœur dans votre cœur, vous saurez que tu as déjà la vie éternelle. Que tu n'es plus la même personne. Que quand même on parlait mal de faculté de toi, tu as la nausée. Ça te fait envie de vomir. Mais si on parlait de mal de faculté de toi et tu as envie d'entendre, tu n'as pas encore le cœur là. Mais quand tu auras ce cœur là, tu te laisses. Quand on parle de mal quelqu'un, quand un homme tape sa femme, quand un monsieur frappe violemment un enfant, ton cœur est malade. Parce que le nouveau cœur que tu as reçu ne supporte pas ça. C'est un cœur des gens du ciel que tu auras désormais. Et ça vient par la voix de Dieu. On n'y est pas encore. On était en train de parler de la parole sacrée. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. N'est pas votre façon de penser, de réfléchir n'est plus la même. Amen. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. De votre corps, le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. En sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Leadership, la communion. Tu deviens un avec Dieu. C'est ça l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Quand il vient, l'époux vient entrer dans l'épouse. L'épouse n'est plus elle-même. Après, l'épouse commence à manifester quoi? La vie qui était dans l'époux. Exactement. C'est là où nous sommes en train d'aller. Ne restez pas en arrière, s'il vous plaît. Ne restez pas en arrière. Ne faites pas le con. S'il vous plaît, ne ratez pas l'occasion de votre jubilé. Amen. Et vous habiterez. Écoutez la suite des bénédictions qui sont pour vous en cette année si vous suivez ceci. Amen. Oh, oh, oh. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Un pays où coule le lait et le. Un pays où coule le lait et le. Le lait est sucré, comme disait Asourna. Le miel est sucré. Et on me dit, ne mangez pas le banane, ne mangez pas le fruit. Alors que le pays que Dieu m'a promis est le lait et le miel. On dit que c'est le diabète. Zéro, je vais manger le lait et le miel. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu a le pouvoir de chasser tout démon qui va t'empêcher de manger le lait et le miel. Oui, monsieur. Vous habiterez dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. C'est là où, quand Israël est dans son territoire, qu'il a toutes les bénédictions célestes. C'est là que Elohim vient lui rendre visite. Amen. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Oh, si ma mère était là, un beau chant que je chantais dans mon enfance avec mon père et ma mère. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Des choses qui te dépassaient hier. C'était pas facile de pardonner. C'était pas facile. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à sourire. Ils ne savent même pas comment on rit joyeusement. Ils vont vous dire, non, je ne veux pas être hypocrite. Je ne suis pas content. Et alors, tu n'es pas content, donc tu n'as pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de joie. Et c'est pas la joie qui vient parce qu'on t'a caressé, donné de l'argent ou qu'on t'a fait du bien. C'est une joie qui est comme un puits artésien. Qui vient malgré tout ce que tu vis,
Malgré l'environnement, tu es joyeux. Tu es joyeux, toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons en chantant glorieux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Quand il est écrit quoi? La joie de l'éternel sera votre force. Les mboutoukou chrétiens, les mboutoukou qui refusent la joie, qui préfèrent les cris, qui préfèrent les lamentations, la joie de l'éternel, c'est ça qui sera votre force. Et rien d'autre, car la bouche de l'éternel a parlé. Amen. Oh, écoutez. Je dis, oh, non seulement vous délivrez de toutes vos souillures, mais c'est lui, lui-même, il dit, j'appellerai le blé. Amen. Tu n'iras pas à la Bissère ou à UBA pour chercher le blé. Tu n'iras pas demander aux voisins. Dieu dit que moi-même, l'Éternel, j'appellerai le blé. Amen. Et je le multiplierai. Amen. Il a prouvé avec Élisée et les pains avec les viandes. Il a prouvé avec Jésus lui-même. Lui-même l'a prouvé. Il a pris 5 pains et 2 poissons et il a fait nourrir des foules. Et c'est resté des paniers et des paniers. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. S'il a appelé le blé hier, il appelle le blé aujourd'hui. Encore que hier, c'était juste les arts. C'est avec nous que la réalité va se manifester. À tous les niveaux, matériel, physique, spirituel et financier. Parce que la voix de Dieu a dit en cette année 2016, Dieu vous fera croître physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Ça, c'est la voix de Dieu qui vous garde ça dans ses provisions, dans ses bagages. Écoutez la voix de Dieu et votre vie ne sera plus la même. Oh, alléluia! C'est ce que Dieu est en train de dire, frère. Et lui-même, il vous multipliera son blé. Amen. Avec Israël, il a fait venir la manne. Est-ce que c'est Israël qui a fait la manne? Dieu a fait venir la manne. Et quand? Dieu a dit, allez dormir. Dieu a dit, allez dormir. Et le matin, vous allez voir. Quand ils sont venus le matin, ils ont vu le pays rempli de manne. En vain vous levez vous matin, en vain vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Dieu en donne autant. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment, la manne tombe. Pendant qu'ils dorment, la manne tombe. Pendant qu'ils dorment, les bénédictions tombent. Pendant qu'ils dorment, les ennemis tombent. Oh, alléluia! Dieu leur donne autant pendant leur sommeil. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Ce n'est pas votre pasteur qui le dit. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh! Attendez. Ce n'est même pas tout. Parce que quand vous allez dire que, oh, quand le blé va tomber là, quand ça va finir, je vais encore souffrir. Il ajoute, je ne vous enverrai plus la famine. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée. Alléluia. Je ne verrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée. Alléluia. Je ne verrai pas la
marche. Alléluia. La famille que j'ai connue avant, ça suffit. Les humiliations, les opprobres que j'ai connues avant, ça suffit. La misère, la honte que j'ai connue avant, ça suffit. Maintenant, j'entre dans mon jubilé. J'entre dans mon jubilé. J'entre dans mon territoire. Dans mon territoire parole, et je réclame ce qui est à moi, ce que le Père, depuis avant la fondation du monde, avait prévu pour moi, que Satan ne voulait pas que je jouisse, l'heure est venue, l'heure est venue, pour que le peuple de Dieu entre dans son jubilé, l'heure est venue, frère. Oh, je ne vous enverrai plus la famille. Écoutez, je multiplierai le fruit des arbres, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Je ne verrai plus. Alléluia. Alléluia. Ma vie est cachée. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. L'Éternel, sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je ne laisserai pas une seule. Je n'en laisserai pas une seule. Car je me dois de me présenter à moi-même une épouse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et rien de tout ce que vous dérange, et rien de ce que vous critiquez dans les frères, dans les sœurs, ne va rester sans être arraché. L'Esprit du Seigneur va tout arranger. Il va tout arranger. Il va tout arranger. Oh, c'est merveilleux. Tous les démons tremblent quand le peuple de Dieu connaît la vérité. Tous les démons tremblent quand les fils de Dieu reconnaissent leurs droits, leur héritage et veulent entrer dans leurs promesses. Aucun démon, si puissant soit-il, ne peut vous résister. Parce que c'est le ainsi dit le Seigneur. Oui, monsieur. Oh. Écoutez. Ainsi parlait le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Alléluia. S'il y a une seule iniquité qui te dépasse, Dieu a un tomahawk. Dieu a un tomahawk. Et ce tomahawk n'a pas existé dans tous les âges. Parce que dans la pyramide qui a été décapitée, il y avait une pierre blanche que avant la fondation du monde, depuis la fondation du monde, aucune lumière n'y avait frappé. C'est en ce jour que Dieu l'a décapitée par la main de Malachi 4. Et cette pierre blanche a révélé le mystère des sceaux, du septième sceau, du troisième poule, de l'épée du roi, des sept tonnerres. Alors, à ce niveau-là, on impose les mains aux balades. À ce niveau-là, on ne jeûne plus. Mais à ce moment, on prononce la parole.
On prononce la parole. On prononce la parole. La parole sacrée. La parole créatrice. La parole transformatrice. Oh, oh, oh. Et alors, vous serez blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Oh, oh, mon cœur est plus blanc que la neige. Maintenant alors, qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est le message. Le sang, c'est le message de l'heure. C'est là qu'il y a la vie de Jésus dans le message de l'heure. Et c'est elle qui est entrée en toi. Alléluia. Tu vas te réveiller comme ça à 5 heures du matin. Tu viens de faire un beau rêve avec ton ennemi juré. À 6 heures, tu parles au téléphone. Frère, tu as bien dormi? Il va penser que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la puissance transformatrice. Quand vous recevrez un cœur nouveau, quand vous recevrez un esprit nouveau, quand le Saint-Esprit va trôner comme ça dans votre cœur. Baoya à gauche, Baoya à droite, Baoya devant, Baoya stop, et je vais obéir. Parce que l'Esprit de Dieu sera régnante dans ma vie. Vous aimez cela? Écoutez. Je peux pleurer les villes. Dieu ne peut pas pleurer les villes et laisser des femmes stériles. Cela va sans dire. Cela va sans dire. Amen. Et les ruines seront relevées. On va arriver dans la dimanche. Et les ruines seront relevées. Tout ce qui a été, qui a échoué avant, tout ce qui a été détruit avant, tout ce qui a été abandonné, tous les projets qui étaient abandonnés, toutes les actions qui étaient abandonnées, tous les dossiers qui n'avaient pas été traités, toutes les ruines seront relevées car la voix de l'Éternel a parlé. Amen. Oh, oh. Amen. Et la terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux des passants. Hey, Elisabeth, la stérile, la vieille femme, elle a accouché. Oh, oh. Elisabeth était une terre qu'on appelait terre stérile. Mais à 60 combien d'années, Zacharie est venu cultiver. Et ça a donné du fruit. Alléluia. Oh, Sarah, stérile pendant un demi-siècle. Mais au temps marqué, quand la voix de Dieu est sortie, Abraham est parti cultiver. Et ça a donné du fruit. Si cela était vrai dans le domaine physique, ce sera vrai dans le domaine professionnel, scolaire, social, spirituel. Eh oui, monsieur, c'est votre promesse. C'est pour vous. C'est pour vous. Dites, c'est pour moi. C'est pour moi. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Si tu es fils d'Abraham, fais les œuvres de ton père. Dieu a parlé, montre ta foi maintenant. Dieu a parlé, montre ta foi maintenant. Et l'on dira, écoutez ce que les passants vont dire. Écoutez ce que les voisins vont dire. Et ce que les ennemis vont dire. Écoutez ce que les collègues, les gens du village vont dire. Cette terre est devenue comme un jardin d'Éden. Alléluia. Elle n'est pas devenue comme la plaine de Mbo dans le Mungo.
Elle n'est pas devenue comme la plaine du Congo. Elle est devenue comme le jardin d'Éden. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est le retour à l'éternité. Parce que nos pères, et notre père et notre mère, ils vivaient dans le jardin d'Éden avant le péché. Ils passaient l'éternité dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Alléluia! Pourquoi? Parce que notre grand frère, Jésus-Christ, est parti nous préparer une place. Alléluia! Il a mis les travaux civils, et je dis civils là-bas, on a mis les routes en or. Ville de perles et de lumière. Mais avant que vous n'y arriviez, il faut qu'il vous montre comment on vit ça ici sur la terre. Ah oui, monsieur. Sinon, vous ne saurez pas. Vous prenez un villageois qui mange avec les doigts. Amenez-le au Hilton. Il ne saura pas quelle cuillère prendre, quel couteau prendre. Il faut déjà le faire monter étape par étape. Étape par étape. Oh oui, monsieur. Oh oui, monsieur. C'est la promesse. C'est la promesse. C'est la promesse de votre Dieu. Oh, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Parce que notre Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui-même. Donc il jure par lui-même. Ainsi je jure par moi-même, parole de l'Éternel. J'ai parlé, j'agirai. Je ne t'enverrai plus la famine, ni l'opprobre, ni la honte. Et quelle que soit l'idole, la souillure, l'iniquité, les choses que tu fais sciemment, je vais tout arracher. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est un Dieu jaloux. Tu es sa femme. S'il voit un gringalet, un bandit qui tourne autour de sa femme, il ne va pas taper sa femme. Il va la déformer la mâchoire. Il va taper le bandit. Il va taper la main là. Amen. Pour libérer sa femme. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Il met d'abord à mort l'homme qui tournait autour de toi, pour que tu sois entièrement à lui, pour chanter ses louanges, pour l'adorer, pour communier avec lui, pour marcher avec lui. Voilà pourquoi il envoie sa parole. La voix de Dieu est en ce moment parmi vous pour accomplir cette prophétie. Alléluia. Oh, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Alléluia. Vous qui construisez des églises de deux ou trois personnes, vous qui construisez des maisons de une, deux chambres, je multiplierai les hommes comme des troupeaux. Et vous savez, vous, Dieu rattrape l'ancienne parole, l'ancien commandement. Allez, multipliez et remplissez la terre. Et le temps est venu, frère. Tu ne seras pas stérile. Chacun chrétien aura des fils et des filles spirituelles qui vont naître dans le Seigneur par son témoignage chrétien. Et ce ne sera pas un témoignage théorique, ce sera ta vie, les œuvres de Dieu dans ta vie, les manifestations de l'ange du Seigneur dans ta vie, la présence de Dieu va dire que hey, je crois que Dieu est avec les gens là. Et 10 hommes des nations saisiront ton pan de ta robe. Il dit, on a entendu que Dieu est avec vous.
pardon, conduis-nous. Introduis-nous au baptême au nom de Jésus-Christ. Esprit de la sémence du serpent, parlez-nous de Malachie 4:7. Esprit de Luc 17:30. Alléluia. C'est ce qui est en train d'en commencer. Ne restez pas en arrière. Ne restez pas en arrière. Ne ratez pas votre jubilé, mes amis. Alors, frère, les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Des troupeaux d'hommes, pas un troupeau. Alléluia. Pas un troupeau. Un troupeau aussi. On a un troupeau là. Un troupeau. Les villes désertes seront remplies de troupeaux d'hommes. Hein? Et pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant les fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Maintenant, asseyez-vous.